to your favorite modern world. Bonjour tout le monde! Andreas Haack est un multi-instrumentiste allemand, un des membres fondateurs du groupe Frequency Drift avec la harpiste Nerissa Schwartz. Après un dernier album en 2018 intitulé Letters to Morrow, qui est pour moi certainement leur chef-d'œuvre absolu, chacun a suivi son propre chemin. Nerissa a continué de sortir des albums solo et Andreas a lancé deux projets, Feeling of Presence et Events of Echoes. Ce dernier vient de sortir son second opus intitulé Memento Vivere cette année. Un album 4 titres qui tient sur un seul vinyle. Events of Echoes est le projet de Andreas et de Paul Sadler du groupe Spice, avec Nerissa à la harpe et Wolfgang Ostermann à la batterie. Du rock progressif atmosphérique dont le premier disque, The Indifferent Stars, ne m'a pas marqué outre mesure. D'après Andreas, Memento Vivere est son meilleur album à ce jour. C'est lui qui l'écrit, pas moi. À mon humble avis, Letters to Morrow le surpasse, mais ce n'est que mon avis. Ceci dit, Memento Vivere mérite que l'on s'attarde dessus, c'est pour cela que je vous le présente aujourd'hui. J'ai parlé de 4 morceaux au début, 2 de 8 minutes, 1 de 14 et 1 de 17 qui ouvrent l'album. Oui, quand même, difficile de faire plus progressif. La voix de Paul Sadler, à la très large tessiture, m'enthousiasme autant qu'elle m'agace. Par moments, le chant est tout simplement magique, et de temps en temps, elle me fatigue. Je suis tenté de dire que par moments, Paul en fait trop, principalement lorsqu'il part dans les hauteurs. Les compositions sont par contre magnifiques. Andreas livre des passages de guitare à tomber par terre avec un dosage parfait de clavier et la harpe de Nerissa apporte une touche magique aux compositions. Cela rappelle inévitablement Frequency Drift et c'est sans doute pour cela que vous voudrez découvrir l'album. Les passages les plus beaux sont pour moi également les plus sombres. Mon morceau préféré est le troisième, It Walk Among Us, qui possède de nombreuses sections dramatiques, comme je les aime, et cerise sur le gâteau, Paul opte souvent pour un chant médium nettement moins théâtral. Assimilation a également mes faveurs, surtout pour son final quasi scream, qui possède une très grande force évocatrice. Memento Vivere séduira probablement les nostalgiques du groupe Frequency Drift, même s'il lui manque une chanteuse aussi charismatique que la fabuleuse Irini Alexia. Pour les autres, écoutez, vous apprécierez certainement les compositions de Andreas. Il existe en CD, en vinyle, en digital, et vous pouvez l'écouter et l'acheter sur Bandcamp. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images. Vous pouvez cliquer sur le pouce pour m'encourager et si vous voulez découvrir mes autres coups de cœur, abonnez-vous. Bisous !